Bon alors, ces premières heures en Calédonie. Un peu fatigante encore. Et encore fait aux pattes, hein. Encore un peu fait aux pattes. Mais une bonne nuit là-dessus. Une journée de bateau. Poum. Beaucoup de carangues et tout reviendra parfaitement. Bon. Ouais. Une petite récompense aussi, non? Mais je crois que ça va être difficile ici. Ça va être difficile. Mais dans la voiture, il nous reste juste des places entre les jambes. Tout va bien. C'est bon. Mais on y va. On y va, ça y est. On paiera de ces jours. Bon, allons-y alors. On va vers le nord. Ça a sauté, ça a sauté. Hein. Magnifique. Alors, un peu de près. L'une des meilleures loges. Au niveau de la chair. Allez. Magnifique. Ouais, c'est un bécal. Alors, moi, c'est pas. Tu peux l'embrasser un peu. Non, il faut mettre un. Qu'est-ce que tu veux un l'eau brisée, j'ai. Non, non, pas du tout. C'est un simple. Comme tu as mis sur ton popper. Ah, d'accord, j'ai. Comme j'ai, ça, j'ai, là, j'ai, regarde. C'est ça, c'est comme ça. Donne-lui un leurre à Taravana. Attends. Hey!
Alors Jean-Marc, un peu fait aux pattes, hein? Un peu fait aux pattes, oui. Allez, vas-y. Bon, Manouya. Allez. Manouya à vous, avec le vin à Jean-Yves. Manouya. 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 Ouais, demain, on va... T'as vu côté falaise où tu passes entre les deux, là? Moi, j'ai pensé, côté falaise, nos carons, nos carons, voilà. Là, non, elles sont pas là-bas. Oui. Elles sont là. Enfin, les grosses, ouais. C'est lui qui va faire des carons, il va trouver là. Ben oui, mais bon. Habitude, elles sont en bas. Non, mais autour des îlots, souvent, c'est... Oui, oui, c'est vrai, mais bon. Souvent, elles sont en bas. Elle fait un gros plan sur le barbu. Ça, c'est un néo-zélandais, ça. Un pur produit. Et allez, c'est les Français qui vont gagner la finale. Et on a gagné hier. Hein. Et alors? Ah bon? On a fait un beau match. Ouais. Un beau match. Super. Ouais. C'est bien hier. Hein. Et la France. Vive le rugby. Mais moi, je suis partagé parce que j'ai moitié néo-zélandais, moitié français. Ils n'ont pas joué les néo-zélandais. Non, mais moi, je sens que je vais tomber mon cycle. Ah, moi, j'ai dormi. Je suis pas bien là. Hein. Non. Ah non, on est en pleine forme. Vous êtes en pleine forme. Moi, je vais... Ah non, pas le soyeux. Ça, ça, on est en pleine forme. Si on dort, on est foutu. Ça, c'est vous deux. Vous voyez comment vous faites. Hein, c'est vous. Attends, tu ne vas pas que je tire la tête si j'enlève la main. Alors oh, cette nuit, il dormait. Oh, j'écrivais le mirage. Le mirage 2000 qui décollait à côté de moi. Ah, je l'ai entendu. T'as entendu? Oui. Mais après, quand je t'embête. Oh, c'est excessif, c'est excessif. Une fois que j'étais pas haut. Mais voilà du vinaigre. T'as tout, tu as tout ce que tu veux. Fallait passer au vinaigre, machin. Dans la baie de Koh Lanta, en compagnie des pêcheurs professionnels. C'est où l'autre gars? C'est le caron. Ah, c'est le caron. Ah. C'est qui qu'on a caron? Tiens, là, il y en a encore des carons. Ah, si, tu vois. Et la photo? C'est petit jeté. Non, ça va, c'est petit. C'est bon, c'est dans le film. Une petite photo, ça. Bon, petite jetée, c'est bon, elle est toute petite. Et la photo, pas une 40, ça. Casa. Regarde, il est beau. Quand les autres derrière. Il n'y a pas moupé, je suis en train de faire le mur. Putain, passe pas tout le bateau, ma peau. Ah! Ça fait peur. Décroché. La gaffe! Aïe! Bravo! Aïe! Oh merde! Carne, non. Je vois ce que c'est, mais... Grosse merloche comme moi. Ah oui.
Merloche. Merloche. Pas mal. J'aime bien. Regarde, t'as sur le bateau. Hein. Les plus grosses encore. Ah, tu peux prendre la photo encore. Hein. Ouais, ouais. Regarde ça. Ça, il faut une photo. Hein. À la ligne à bec, magnifique. Regarde ça. Regarde. Bravo. Youhou. Je fais la photo. Attends, là, j'ai fait le. Dans le chien. Putain, que c'est beau, qu'est-ce que c'est ça? Elle a lâché un poisson. Elle a, t'as vu, elle a lâché un poisson, dis-le. Regarde ça. C'est magnifique, c'est quoi? Mais non, mais c'est une bonne ça. Non, non, non. Pas une grosse poisse, ça. Hey, mais c'est une grosse à point bleu, ça. Alors, pas de risque. Trop grosse, hein. Hein, pas de risque. Chacha, c'est une rouge à point bleu. Elle est grosse, dis-moi. Mais elle est un peu trop grosse, tu vois. Attention. Elle est magnifique. Oh. Attention à tes mains. Endroit. Super, je prends la photo maintenant. Oh là! Allez! Fume-le là! Ça monte comme une merde! C'est pareil. Oh, une loche à point bleu! Oh, une bleue! Ouais. Oui! Une loche bleue! Ah oui! Belle! Magnifique, Jean-Marc! Tiens, pas du feu dessus, attention! Magnifique, Jean-Marc! Ah. Là, il l'a fait! Ouais. Là, on va faire la belle photo. Oh, super. Oh. Il a fait sa loge bleue, lui. Et c'est un coin. Oui, c'est le coin. Oh là là. Alors. Oh là, il est beau. Oh, c'est joli, hein. Il est beau. Pas de mou, hein, pas de mou, Jean-Marc, sinon il est vert. Il est beau, hein. C'est quoi ça? Waouh. Waouh. C'est ça, il est beau, hein. Attention. Trois en même temps, trois en même temps. Ah, le premier. Attention. Ah là là, merde, c'était le gros. Ah là là, c'est là. C'est devant là. Ouais, non mais trop vite. Ah ouais, putain. Vas-y, tiens. Attention à tes pieds, Jean. Attention derrière, attention dans le moteur là. Oh, je suis loin. Attention. Je suis loin. Sur celle-là. Attention. Il est là. Il est là. Il va passer à bord. Je vais planter un freinage là. Alors, c'est comment? Ouais. Au combat. Il est pas mal. Alors Eric, comment? Bon, terrible. Oh. Boris. Et... en haut. Ah ouais, beau combat. Et tu vois, il faut freiner plus, hein, parce que sinon il me vient mouliner. Hein. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Les picots veillés. Allez, mettez-vous à l'eau. Les picots canac. Quoi fait chier? Allez. Allez Maurice. Allez. On a gagné ta vie, hein. Tu peux bien la gagner. C'est bon ça, non? Ouais, très très bon. Tu vois?
Ah, il est froid. Hein. Ouais. Vous flèche, ça va pas passer. Pas ça. Beaucoup de fusils. T'es content voilà. Ça tire, hein. Ah ouais. Ouvre un coup de l'autre côté. En forêt. C'est John Fish, ça. Ouais, le poids, le mécois, on l'appelle. Ça va, comment la gueule qu'il a? Ah, un peu comme une saumonée. Et voilà. Premier mécois à la plonge. Oh. Allez Eric, t'es pas à l'eau encore? Il attend le fusil. Oh là 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 là. C'est pas magnifique ça. Des mecs pour leur effort. Tout à fait, madame Bonnet, on est quel jour? Mardi. 6h du matin. Oui. Prépare le coup de pêche. Jean-Marc debout, en forme. Eric debout, en forme. Après, ça, c'est un truc qu'ils ont perdu. Et Kurt, c'est plus des grands marins, c'est fini. Voilà. Ils savent des pirogues à voile, des pirogues doubles. Déjà à la clope. Hein, on voit les mecs en forme. Hein. Sportif. Et Jean-Marc, il fait la vaisselle, il est sur la table. Voilà. Et il a renversé son café, il a fait n'importe quoi. Il est en train de monter un popper, il s'est emballé et il a renversé le café. C'est incroyable ça. Jean-Marc aujourd'hui va faire sa 40, je le sens. Tu fais ton yoga du matin, Jean-Marc? Voilà. Ah, tu es beau là. Avec la vallée dans la perspective. Alors ce troisième jour là, comment? Nickel. Le top. C'est le terme à dire, nickel. Là c'est du vent, c'est la 40. Allez Jean-Marc, un peu de crème là, un peu de crème, un peu... Maurice pour les intimes. C'est parti les gars, allez.
Oh joli! Oh, mais c'est vraiment, ça devient merveilleux. Oh! Putain de sa belle! Allez, Jean-Marc, allez! Putain de sa belle! Oh! Oh! Un peu en arrière! Hein? Hop! Elle est belle, celle-là, elle est belle. Elle est belle, oui. Oh, j'ai bloqué à fond le frein. Recule un peu avec le bateau, peut-être légèrement. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Ouais, doucement. Je suis en train de le faire, Ah, super, t'es super. Parce qu'on est dans peu de fond. Hein. Voilà, c'est pour ça que je te la mets. Ah, putain de sa mère. Oh, putain. Elle est belle, ça. Oh, putain. Bah, elle est pas au caillou, hein. Elle s'est pas volée. C'est pas certain que ce soit une carangue. Oh putain! Allez, Jean-Marc, tu l'as voulu, hein, écoute, hein, oh, tu l'as voulu. Hein. Allez, allez. Voilà. Tu vas prendre le fil là? Doucement, je veux pas. Impressionnant. Jean-Marc la brute. Ouais, Jean-Marc. Ah, voilà. 40. Regarde ça. C'est les belles. Pouah. Regarde le monstre. Regarde ça. Ah, elle est magnifique. En plein eau, allez. Doucement. Attention avec le bateau. Non mais là il recule pour pouvoir la mettre en plein eau. Oui. On va se diminuer dans la profondeur si tu veux. Ah bah là on est dans le... Il y a combien 40 mètres? Non, 15. Voilà. Oh, je me mets pas à l'eau. Doucement, c'est bon. Voilà. Non, je m'éloigne simplement. Tu l'as voulu. Tu l'as voulu ta carogue. Attention. Et desserre le frein. Oui. Tu vas tout casser sinon. Elle va pas aller dans le caillou la carogne. Hein. Allez, faut y aller là. Hein. Tu la voulais ta carogne. Hein. Ouais, mais ça sera pas tous du même côté. Parce qu'après, il faut pas que ça passe à côté par la rochelle non plus. Voilà. Au bout d'un moment, après, tu vois. Mais il faut mettre en marche. Voilà, hein. ça y est. Fais gaffe après. Fais gaffe, la gaffe. Passe derrière. Eric, prends le volant. Oh. Ah, c'est la boulette, ah, voilà. La attends, on va d'abord lui défaire le popper. Passe-moi le. Passe-moi le. La pince, y a pas une pince? La pince, si. La pince? La pince. Il y a une pince par là. Là. Voilà. Oh. Oh, elle a gobé le popper. Alors, dire que c'est sportif. T'es comment? C'est pas mal, c'est sportif, c'est dur. Hein. C'est très dur. C'est très très dur. Là c'est monstrueux. Allez, on la relâche. Faisons une seule popper dans la gueule aussi. Et les gars, alors ça.
Elle est belle cette cocoterie. Elle est superbe. Petit déjeuner sur la terrasse. Lâche un peu les gars. Bon, alors comment se passe cet atelier bricolage ? Atelier pêche. Hop là. C'est la journée de reconditionning. Ça, si tu as raison, reconditionning. Le terme est bon. Voilà. Alors, il y en a un peu partout dans la chambre, quand même. Voilà, sur le lit. Voilà. Le lit nuptial, il est à baldaquin, là. Il est rempli de poppers. Dommage qu'il n'y a pas l'odeur, parce qu'il y a la chemise là, spéciale pêche, là. Il y a la casquette aussi. Putain, mais c'est... Même cœur qu'il a dit que c'était le bordel dans la chambre, alors pour le dire. Hop là. Ouf. Oh Dieu. C'est parti, belle carangue. Allez, bien, on va voulu prendre et partir. Oh, belle attaque.
magnifique. Un démarrage extraordinaire. Et on retrouve Jean-Marc Labrute. Eh oui, encore un peu. C'est reparti. Elle monte. Putain, elle est belle. Magnifique. Un pic de 4. Excellent. Yes. Force, hein. Ah, joli. Un pic de 4 encore. Yes. Alors c'est un grand spécialiste du bec de canne, monsieur. Ouais. On est Texas. Bravo. Et voilà. Éric dans ses heures. Après une casse sur un requin mémorable. C'est bien. On va l'amener pour la photo là. Alors, ça va être difficile, mais on va le couper, on peut le couper. Hein. On récupère le jig, bien. Oui, oui. Attention. On n'arrête plus le chosy, mec. Qui a pris un abonnement avec le requin, ainsi qu'avec le magasin Gigo Marine. Salaud. Ah non, c'est pas un requin. Oh là, joli. Elle s'est fait attaquer, mais c'est pas allé. Regarde le coup de dent.
joli coup de ligne. Yes! Ça a marché? Merci. On est sur les choses. Ça, mais oui, avec un aileron et des grosses grandes dents. Ouais, là, là, ah, tu l'as voulu, ta saumonnée, hein. Si haut possible. Eh bien. C'est bon. Ce type, il décroche même les poissons sans l'aide du bateau. Là, on monte pas aussi haut ta canne, bordel. Voilà, pas plus haut. Oh, un américain! Comment on fait pour avoir? Je change. Fait pile à rue à ma tête, vous les y avez ni casse dans le nid.